Wallé, salut tout le monde, c'est Evren, j'espère que vous allez bien. Moi c'est super, pendant que je suis bloqué sur la rambarde de la route. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 117e épisode de Fallout. Donc on est en train de se diriger tranquillement vers l'asile d'Aliéné. Ouais c'est d'Aliéné, bon bref, l'asile de Parson. Et c'est vrai qu'on est déjà passé à côté de ces structures, mais je les trouve magnifiques. Donc, bien, pourquoi ne pas les admirer tout simplement? Bon, du coup, oh putain, oui c'est vrai, j'avais construit une colonie ici. County Crossing, ok, nous sommes à County Crossing. Oui, je redécouvre la map parce qu'il y a des trucs que j'ai construits il y a 10 000 ans. Donc forcément, je sais plus que c'était là. Et donc forcément, je suis là en mode, hein, j'ai construit ça, moi? Est-ce que vous en êtes sûr, moi? Bref, du coup, on est en train de se... Oh, hein? Tu vas te calmer, la tourelle. Ouais, je préfère. Donc, on est en train de se diriger tranquillement vers l'asile de Parson. Parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, je pense que là, d'ici l'épisode 100... Quoique, vu au rythme où je vais les tourner, parce que là, actuellement, au moment où je tourne, il y a... Je crois que j'ai toujours pas dessiné du nom de la petite série là sur ce coup que je vous ai dit. Ça va être journal d'un... Ah purée, j'avais trouvé un nom qui collait trop bien. J'ai trouvé un nom qui... Ah voilà, journal d'un conducteur. Voilà, journal d'un conducteur. Ça colle assez bien, je pense, mais ouais, peut-être que je trouverai des modifications à faire. On verra, je réfléchirai. Au pire, vous me direz votre avis dans les commentaires. Et je vous donnerai des nouvelles dans l'épisode 2, sachant que l'épisode 1, au moment où je tourne cette vidéo de Fallout, l'épisode 1 de The Crew, quelque chose, le journal d'un pilote devrait sortir demain, donc le samedi 5, 4. Samedi 4 mars. Si j'ai pas de bêtises, donc je pense que je vais faire cette vidéo-là, le journal d'un conducteur. Au journal d'un geek. Ouais, au journal d'un geek. Oh. Oh putain, rat de scorpion. Je t'ai vu, Coco, je t'ai vu. Ouais, journal d'un geek. Ça le ferait, je pense. Oh, le rect! C'est vrai que j'ai des bonnes armes, mais waouh, je m'attends toujours pas. Ouais, donc je sais pas. Bref, je vous donnerai des petites nouvelles parce que voilà, ça va être du bi-hebdomadaire, donc 2 épisodes par semaine. Je pense que je vais arriver à tenir ce rythme, sachant que j'en tournerai sûrement les deux. Ah non, quoique. Je vais essayer de faire du bi-hebdomadaire, mais en vrai c'est dur. C'est l'heure, comment ça c'est l'heure? Ah oui, il y a une colonie ici aussi. Ouh, purée. Ah, cette colonie, il faut vraiment que je la refasse. Elle est dégueulasse. Ah, elle est moche. Et... Ah, ah là, faut vraiment que je la refasse. Donc ouais, donc du bi-hebdomadaire, je pense que je vais partir sur ce format-là. Donc du coup, ouais, je sais pas, bref, en gros, comme ça me permettra de vous tenir au courant de ce que je fais, de voir si je peux vous sortir des vidéos et tout. Donc, ouais, je pense que je vais faire comme ça, ce sera pas mal. What? Pourquoi j'ai été roté? Pourquoi le signal a été mis là-bas alors que nous sommes censés aller là? The fuck? Ah, c'est parce qu'on est censé retrouver Jack. On est censé le retrouver dedans, non? Je comprends pas. On va bien voir. Ou alors c'est que Jack il n'y est pas encore rentré. Ouais, c'est l'explication la plus plausible. Donc, ah, c'est qu'il est là, Jack. Jack, wait for me. Les hommes de Dwar se sont défendus vaillamment. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Comment te sais-tu? Tu viens à peine d'arriver. Nous devons aller dans mon bureau pour évaluer la situation. Oh non, ils sont morts! Ils sont morts! Oh non, je suis déçu. On est là. Hein, vous savez que mon jeu est instable, on va placer une petite sauvegarde. Ah, je suis déçu, ils sont morts. Parce que... Est-ce qu'on peut les looter au moins? Est-ce qu'on peut looter? Le gros connard, tu sais. Mais bon, à la guerre comme à la guerre. C'est vrai qu'ils avaient du bel équipement quand même, mine de rien. Oh purée, c'est la lampe, j'étais en mode... Il est luisant. What the fuck? Bon allez, administration de personnes, c'est parti pendant que j'ai un stylag. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Why? Ah ok, c'est que ça voulait pas. Bon, je sais pas. Ah, c'est parce que ça considérait que Jack était encore en train de le faire. Ouais, c'est con parce que Jack en soi il aurait pu m'ouvrir la porte à moi. Bref, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on est parti pour l'île de Parson.
On va défoncer du... des raideurs mutants du coup. Ouh, ça va être tendu ça. Oh. Non, 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 je... Faut trouver un autre chemin. Chef, oui, chef. Pourquoi? C'est fermé? Vous êtes sûr? Je peux pas crocheter? Ah non, enchaîner. Clé nécessaire, ok, très bien. Ok, c'est quoi, ça suffit les conneries. Qui est là? Butez-les tous. Hello. What? Ok, bon, alors lui, il était derrière la porte, donc Deux steampacks? Mais ils sont censés avoir plus de force, mais je les touche shot. Je les touche shot. Ouais, ok, donc là on a une petite tourelle. Enfin, ils sont censés avoir plus de force, mais moi ils me semblent pas plus avoir plus de force, hein, pour le coup. Je sais pas vous, mais ils ont encore le même niveau que précédemment. Ouh. Ouais, tu m'étonnes que le jet ça rend nerveux. La drogue, c'est mal. Bah, il est où? Allez, le talent. Oh, c'est trop casse-couille. Hop, je monte à l'étage, moi. Bonjour. Attends. Oh, je voulais activer le critique. J'ai loupé mon critique. Oh, j'adore le cadavre qui tombe. Oh, ouais. Je suis un peu sadique sur les bords. Moi, c'est vrai. Je suis un peu sadique sur les bords. Mais bon. Mais bon. C'est pas grave, en soi. Jack, laisse-moi l'XP, sale bâtard. Bonjour. Ah, purée, j'ai encore loupé mon critique. Oui, je veux faire. Je vais utiliser. Ah, quoique. En soi. Je pense qu'il vaut mieux que je garde mon critique pour... Oh, trop bien, avec l'ampoule qui clignote, ça donne une petite ambiance. Oh, c'est nickel, j'adore ce jeu. Déverrouiller, avancer. On peut se le permettre, on est large. Mais là, Jack, il avait dit que du coup, ils auraient des pouvoirs. Alors, ce que je me demande, c'est que... Est-ce que, pour le moment, on n'a pas encore rencontré ceux qui ont des pouvoirs? Ou est-ce que ça bug? Je pense que pour le coup, on n'a pas encore rencontré ceux qui ont des pouvoirs. Ce sont c'est les bon. Chefs des pierres qui ont gardé l'élixir pour eux. Et donc, du coup, c'est les chefs qui sont invincibles pour le coup. Capsule 10, seulement 10 capsules. Ah, encore 6, 4 et. Ouh, ça va, c'est pas mal. Belle petite récolte. Oh, des rats de cafards! C'est trop mignon. J'adore les rats de cafards en vrai. Oh, rats de cafards luminescents! À moi! Comment ça, je one-shot pas? Et ouais, les capsules. Oh, plus 23 capsules. Mais c'est ça augmente à chaque fois qu'on tue quelqu'un ou quoi? Petit lag. Est-ce que ça augmente à chaque fois qu'on tue quelqu'un? Parce que j'ai l'impression que... Attendez, est-ce que mes réglages sont bien? Parce que ça se trouve, vous entendez que dalle. Ouais, j'ai l'impression que le jeu est vachement fort. Je vais remettre comme ça. C'est bizarre, j'ai l'impression que le jeu est vachement fort. Après, ouais, je sais pas. Peut-être que le jeu est vachement fort, je sais pas. Je vais être franc avec vous, je sais pas. Donc... Messieurs les pillards, votre jugement arrive. Evron, le grand, le magnifique, le sublime, vient vous tuer. Mais ils sont trop du sang, moi, maintenant. Non. What? Ah, cool. Coucou, Edouard. Ne vous en faites pas pour moi. Vous pouvez montrer qui vous êtes. What? Je dirais que quelqu'un a Figure de charisme, oh ouais. C'est une bombe dans une boucherie. Trop bien. En clé de cellule. Ça ira. Oh mais non, mais non, mais moi j'aime pas laisser des gens derrière. Donc du coup c'est tout. Je suis déçu. Je suis déçu. On n'a pas tout exploré. Ah ah non, il manque le central, ok, il manque la salle centrale. Je me disais aussi c'est bizarre. Je l'ai envoyé au sous-sol avant de le couper, comme vous me l'aviez demandé. Ta-ta-ta-ta-ta, on va juste placer une petite sauvegarde, hein. Soyons prudents, hein, c'est oui. Mieux. Bien, j'en ai descendu quelques-uns avant qu'ils décident de me laisser tout seul ici. J'ai vu personne depuis un moment. On remballe les gars. Enfin, je crois. Ah, rien du tout. On perd un peu la notion du temps quand on se vide de son sang. Vous êtes sûr que vous ne pouvez vraiment pas vous lever? J'ai besoin de votre aide. Ouais, Jack. Sûr et certain. Je vois. Ne vous en faites pas, nous devrions pouvoir nous en sortir à deux. Oh, ouais, large. Mais ils sont au sous-sol. Je me demande vraiment comment ils ont su contourner. Bref, ça n'a plus d'importance maintenant. Nous allons devoir passer par la partie abandonnée du bâtiment. Plusieurs portes de sécurité du sous-sol ont été forcées. Mais le champ d'Abraméline semble toujours actif. Ouh. Il faut accélérer le mouvement.
J'ignore pourquoi, mais ils semblent fermement déterminés à libérer Lorenzo. Peut-être parce qu'ils vont devenir leur chef. Allons-y. Allons-y. Mais pourquoi j'ai une voix plus épique que mon personnage? Attention, Jack. Cet ascenseur ne fonctionne pas. Oh, ça a ouvert la porte avec un peu de chance. C'était ça? Fallait passer un checkpoint pour que ça ouvre la porte? Ah ouais, ça a ouvert la porte, trop bien. Messieurs, bonjour. Ok, une petite mine de fragmentation. Donc toi, tu vas mourir. Ouh, un petit pillard légendaire, trop bien. Et bon, ensuite, j'ai plus de points. Donc toi, tu meurs en un coup. Nickel. C'est parti pour le petit pillard légendaire des familles. Donc là, sérieusement... Oh, j'ai terminé par headshot. Le talent d'un... Oh, ils font mal, en fait, mine de rien. Non. Moi, je veux juste le bust. Oh, il a pas le temps d'activer son pouvoir. Herboriste. Mais c'est de la merde. Je vais être franc avec vous, c'est de la merde. Messieurs, bonjour. Alors, t'es où, toi? Faites gaffe, messieurs, mes chers amis, car... Oh, cool, mystérieux étranger et plus de capsules. Le petit combo des familles que l'on aime bien. Alors, par contre, faut faire gaffe parce qu'il y a des mines. Hey, crois bien que j'ai un truc. Bah, moi, je pense bien qu'il y a des mines. Ah, mais elles étaient bien cachées, en plus. Il n'y en a pas d'autres? Apparemment, non. Ok, non, en fait, ça dépend. Des capsules de l'aptitude, ça dépend. Un coup, ça va faire tant, un coup, ça va faire tant. Ok, très bien. Je ne sais... Je ne t'avais pas vu, mais ça ne changera rien à ton sort. Tu vas mourir. Tu vas périr. C'est bon, c'est fait. Terribétine. C'est tout. Oh, mais c'est vraiment trop simple. Bon, après, c'est vrai que techniquement, mon niveau est bien trop pour cette zone. Mais bon, ouais. Hein, j'ai pas fait exprès, on va dire que j'ai pris mon temps dans le jeu. Par contre, j'ai bien aimé le fusil à levier qu'on a eu, là, Herboris. Donc, je pense que je vais placer une petite sauvegarde. C'est bien l'asile d'Algéné. De personne. Oh, ouais. Bon, on va continuer tranquillement. Bon, pour l'instant, c'est un plan qui se déroule sans accroc. En même temps, je pense que ça, c'est une quête que t'es censé faire quand t'es niveau... Attendez, je regarde sur la carte. Yeah, ouais. C'est une zone pour niveau 30. Je suis niveau 72. Et qu'est-ce que c'est? Je suis large. Ouh, ils ont creusé. Ouais. Comment ça? Tu vas me laisser crocheter? Hein, s'il te plaît? Joli. Ouh, et ça lutte quoi? Oh, je déteste ça, désolé. Désolé, mais je suis obligé de tous les décapiter. Parce qu'en gros, si vous ne savez pas, ces putains de trucs... Quand vous approchez d'eux, et ben généralement il déclenche des pièges. Oui, bon, vous allez me laisser des ennemis quand même, Jack. Bah, à moins qu'il soit déjà mort, en fait. Donc toi, tu vas mourir. Ouh, on a eu le... Quoi? Il a tant de vie que ça? Fils de schlag. Ah, voilà, donc ça, je pense que c'est les pillards qu'ont eu... Enfin, que ça, c'était un pillard qui a eu l'élixir. Le petit critique, normalement, il meurt en one shot. Oh non, mais la chance du mec. Purée, normalement il allait mourir en one shot, c'était calculé. Bon, c'est pareil, il va mourir en plus de shot du coup. Et attendez. Oh non, je peux pas faire l'aptitude spéciale. Voilà, ça lui brise la nuque et il est mort. Ah, ça c'était de la merde par contre. Hein. Ah, il m'a looté du caca. Hein. C'est vraiment de la merde. Non mais je vous jure. Ah, ouh, par contre on est mid-life, on est mid-life. Bon, après c'est vrai que je joue un peu en mode kikoulol. Hein. Je pense que, ouais, je serai niveau 30, tu vois. J'irai pas en mode, oh, trop lol, ils me font pas mal. Non, je ferai attention, alors que là, tu vois, je suis niveau 72. Ah, on est obligé de descendre comme ça, c'est un peu raide, la pente. Vous avez pas peur de vous casser une cheville? J'ai vu des cratères de bombes en meilleur état que cet endroit. Même blague. Ouh, attendez, il a douté quoi? Ok, bon, je sais pas, et on saura probablement... Jamais là. Ouh, la petite cage thoracique qui en est bien censé aller par là. Très bien. Messieurs les pillards, bonjour, ici est votre hôte. Ouais, votre hôte. Mais pourquoi ils sont à poil? Enfin, pourquoi ils ont des trucs qui protègent que dalle? Tu vois, ils auraient des vraies armures comme moi.
il serait plus résistant, ce serait plus intéressant. Là c'est juste du... par contre, j'avais pas visé de mon... Mais oh, Jack, c'est mes kills, c'est mon XP. Bordel de merde. Attendez, mais j'ai peur de louper des trucs, en fait. Genre, tu vois, des petits trucs cachés. En tout cas, ça a l'air vachement défoncé. Je suis pressé de rencontrer Lorenzo, mine de rien. Oh, faut passer par là. Ouais, je suis pressé de rencontrer Lorenzo parce que ça peut être vachement intéressant, quand même. Tu vois, un... Ouh. Ah oui. Ok, alors là on rentre dans le glauque. Oh, purée, tu m'as surpris. Tu m'as surpris. Il m'a surpris. Là par contre, on rentre dans le glauque. Attends. What the fuck. What. Bon, en même temps, c'est un asile aliéné, donc quelque part, c'est normal que ce soit... comme ça, mais... Ouais... en plus, on est sous terre, donc... les explosions des bombes ne sont pas censées avoir atteint cette zone. Il s'est passé quoi comme expérience ici? Honnêtement, entre nous, hein, messieurs les développeurs. Parce que... Ouais, enfin... C'est vachement glauque comme endroit, quand même. On est d'accord? Sommes-nous d'accord? Messieurs, sommes-nous d'accord que c'est vachement glauque comme endroit? Ah ah, ok, oui, donc ça paraissait normal qu'on était obligé de faire le détour. Tatati. Porte. Ah, ok, il se cachait même pas. 1, 2, et me... Non, 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 non. Oh, c'est bon, j'ai réussi à l'annuler à temps. Mais, oh. Hein, voilà, merci. C'est fort gentil de ta part, c'est fort aimable. Là, y'a que dalle. Ok, des capsules, c'est plutôt cool. Ouh, c'est de la merde. Putain, mais pourquoi il doute que de la merde en ce moment, là? J'ai l'impression qu'il y a un complot. Ah oui. Ah oui, ah, c'est extrêmement glauque cet endroit. Ok. Ouais. Ok. Ok, tout va bien, je suppose. Un shot, deux shots. Et le corps qui explose. Oh oui, on aime ça, on apprécie. C'est le beau jeu. What? Alors, plus on descend, plus ça devient glauque. Ah non, ok, c'est juste un deuxième étage de cellule. Ok, mais enfin, juste un deuxième étage de cellule. Ouh, mais il y a quelqu'un qui a utilisé son... un steam pack. What the fuck? Non, mais c'est extrêmement glauque. Alors ça devait être la cellule de Lorenzo. Si je ne m'abuse. What? What the f... C'est passé quoi ici? Commande de la porte de sécurité. Ok, donc c'est juste... What? Mais il s'est passé quoi ici? Enfin, comme expérience, je veux dire. Le vieux mon charge. Ta ta ta, la petite sauvegarde des familles, parce que on a l'habitude. Bouton d'appel. Oh yeah, c'est parti. Ah, j'aurais peut-être dû attendre que... Eh merde. Oh non. Fou, j'ai placé une sauvegarde juste avant, parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était à Farabor, et je vous rappelle que le personnage qui était censé monter dans ce serveur avec moi avait bugué, donc là j'espère que ça va pas être le cas. Bon, on va bien voir, de toute façon, on va voir assez rapidement. Sous-sol. Je vais te trouver. Grave erreur. Ouf, ok, c'est bon. Il s'est TP, il a juste chuté à travers là, je sais pas trop. Bonjour. Ouais, ok, il a encore envie, vous inquiétez pas, il est solide, il a 400 ans. ouais, si vous voyez capsule. Oh oui, j'apprécie. No problème. Ah oui. Ah non, mais c'est extrêmement glauque, en fait. C'est... What? Un abri personnel Voltec? Toujours plus? On a une armée de bons hommes là-haut, et ils arrivent encore à laisser passer ces deux balcrins. Allez, bordel, ouvrez-moi cette porte. Ta-ta-ta-ta. What the fuck? Ok, donc ça, c'est un ascenseur. Ok. J'essaie de couper le champ d'Abraméline. C'est la seule chose qui empêche Lorenzo de s'échapper. Il faut à tout prix les arrêter. Salut, Jack. Ça faisait longtemps que tu ne m'avais pas gratifié d'une visite personnelle. Doit bien valoir Père, quelque chose, non? Il est temps de mettre un terme à tout ça. Mes pouvoirs ont évolué, Jack. J'ai encore beaucoup à apprendre de l'artefact. Je serai heureux de t'enseigner tout ce que je sais à mon tour. Quand je serai libre. Bonjour. Vous savez que je ne peux pas vous libérer tant que je n'aurai pas extrait l'artefact. Voyons voir.
Par les moustaches de Lucifer, ils ont verrouillé toutes les portes de sécurité. Je vais devoir les ouvrir une par une d'ici, pendant que vous continuez à progresser. Vite, allez-y. Très bien, bon, bah, pas de soucis. Vous devez neutraliser le champ de confinement afin d'ouvrir la porte. C'est tout ? Mais c'est trop simple. Ils ont ouvert les portes de sécurité. Grouillez-vous ! Ah ouais, grouillez-vous. Dépêchez-vous. Dépêchez. Ta-ta-ta, ah non. Ok, donc toi tu mords en one shot. Nickel. Ok, donc toi non. Toi je veux le buste. Voilà, nickel, ça on aime. Ah, ah merde, il a plein de vie. Ah, c'est le chef des pilleurs, j'avais pas vu. Je suis un boudé, tout simplement. Ta ta ta. Oh, c'est un mystérieux x4. Oh. Ouh. Ouh. On va avoir un combat de boss. Pour saisir les codes de sécurité. Il n'est pas trop tard. Il lui faudra un peu de temps pour... Oh, il est pas trop tard, il est pas trop tard, j'ai juste appuyé là-dessus. N'écoutez pas mon fils. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il n'a pas toute sa tête. Regardez un peu ce qu'il m'a fait. J'ai installé un système d'urgence dans l'enceinte de confinement. Passez les 4 générateurs d'Abraméline en mode commande manuelle. Et je pourrais inonder sa cellule d'une dose mortelle de rayons Zeta. Faites le bon choix. Ouvrez cette porte et laissez-moi sortir de cette prison. Ne l'écoutez pas, ne le laissez pas sortir. Dois-je le libérer ou dois-je le tuer? Alors, je vous en prie. Personnellement, je suis extrêmement curieux de voir ce que ça fait quand on le libère. Donc on va le libérer, donc c'est pour ça que je sauvegarde présentement, mais juste après je sauvegarderai parce que je suis un homme qui a peur. Et donc je le tuerai. Tout simplement. Ah, Hancock n'a pas aimé. Bon, bah, Hancock n'a pas aimé. Vous avez bien fait. Vous avez fait. Il a beaucoup de vie. Ah oui. Il a extrêmement beaucoup de vie. Trop tard, Jack. Attends-moi, j'arrive. Je pense qu'il est temps que nous ayons la petite conversation. What? Il va se TP? Fuyez tant que vous le pouvez encore. Jack ne veut pas parler à son père, on dirait. Nous allons devoir le tuer, vous savez. Et tous les autres avec lui. What? Retourner à Cabot House. Depuis combien de temps vous êtes enfermé ici? Mon fils bien-aimé m'a emprisonné ici en l'an de grâce 1898. Il y a près de 400 ans. Il me semble que vous étiez sur le point d'accepter de m'aider à tuer Jack et le reste des suppôts de Satan qui composent ma famille. C'est bien ça? Ouais, non. Je n'ai jamais dit que j'allais tuer qui que ce soit. Non. Que faites-vous ici dans ce cas? Vous n'avez plus le choix maintenant. Il faut aller jusqu'au bout. Non, mais pas si je tue. Pas. La récompense que je peux vous offrir dépassera toutes vos attentes. Je vous donnerai Jack Mavelet, le don d'immortalité. Mais avant toute chose... Le don d'immortalité, qu'est-ce que c'est lui de question? Et vous allez m'aider si je ne m'abuse. Non. Retrouvez-moi à Cabot House. Je suis certain que les scélérats qui me servent de famille y seront tous réunis. Ok, donc en gros c'est un groupe psychodingue, donc je vais charger et puis on va le tuer. Non mais j'avais envie de voir ce que ça fait. Ok. Alors personnellement, faites le bon choix. Ouais. Faites le bon choix. Après c'est honnêtement ce qu'il a à m'offrir, je pense que ça va être des capsules. Et en gros une aptitude qui te permet de résister un peu plus à je sais pas trop quoi. En gros pas un truc qui m'intéresse. Vous a dit, à votre avis, qui semble le plus fou de... Ah, Hancock a aimé. C'était le bon choix. Aucun effet sur vous. Pardonnez-moi, père. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter ça. Je crois même que j'étais sur le point de trouver le moyen d'extraire l'artefact. Menteur! Tu ne voulais qu'une chose, me laisser moisir ici et profiter de mon pouvoir pour l'éternité! Misérable cloporte! C'est toi le cloporte, Mia. Tu crois vraiment pouvoir me détruire? Bah, c'est ce qu'il est en train de faire, on dirait. Adieu, père. Ok, parle à Jack Cabot. Non, mais par contre, Jack ne t'en va pas, reste ici. J'ai pas envie de me TP. Mais ça se referme ou quoi, les portes? Par contre, c'est... Ouais. Nous n'avions pas d'autre choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il aurait fait, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait réussi à s'échapper? Il nous aurait tués, nous et toute ma famille. Et ça n'aurait été qu'un début.
les crimes qu'il a commis quand il était en liberté. Sans les relations et l'influence de ma famille, c'est la chaise électrique qui l'attendait. Le monde d'aujourd'hui est un véritable paradis pour les monstres comme lui. Rien ni personne n'aurait pu l'arrêter. Non. J'ai répondu à ma propre question. Nous n'avions vraiment pas le choix. Je crois que je vais me retrouver au chômage. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances pour Lorenzo. Je vous remercie. Sincèrement. Avant que vous partiez, je n'y serais jamais arrivé sans votre aide. Je pense que c'est une juste compensation. Je n'aurai plus besoin de vos services dorénavant. Oh. Seulement 512. Comment ça vous n'avez... Non, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'XP. Sans Parsons, je n'aurais pas besoin de garder autant de personnel. Oh. Oh. Merci beaucoup. Une dernière chose. Choqué déçu. J'ai beaucoup étudié l'artefact. Et je pense pouvoir en faire quelque chose. Revenez me voir à Cabot House dans une semaine ou deux. Mes longues années de recherche n'auront peut-être pas été vaines, finalement. Ah ah, c'est cool ça. Par contre, c'est triste parce que... Bah du coup, c'est bon là qui était fini. Ça rapporte pas d'XP. Ça a pas rapporté d'XP. C'est quoi cette arnaque? Est-ce que ça devait pas rapporter d'XP? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est une quête vraiment sympa. J'ai bien aimé. Par contre, ouais, c'est vrai qu'en fait, au final, j'avais pas vu, mais son espèce de... Bah, l'artefact qu'il a sur la tête, c'est vrai que ça faisait un peu passer pour un dictateur des temps anciens, sauf que là, en plus, il a, bah, il avait des super pouvoirs, clairement, 400 ans, merci. Donc, il avait des super pouvoirs, donc c'est vrai qu'il se serait pris pour un dictateur. Donc, bon, de toute façon, moi, à la base, je voulais le tuer, donc au final, tu vois, c'était juste pour un test, et pour aussi pouvoir l'observer de plus près. Mais c'est vrai... Ah, j'ai ma voix qui se barre en couille, veuillez m'excuser. Mais c'est... Ah putain, la voix, s'il te plaît, reviens. test, c'est bon? Ouais, ça a l'air bon, excusez-moi, c'est juste que à force de parler, voilà. Putain, j'ai oublié de sauvegarder. Non, ça va cracher, tu sais, ça m'étonnerait pas. Pile la fois où j'oublie de sauvegarder quand j'ai un chargement, ça crache. Ah, ça m'étonnerait pas. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas. Donc, il se serait pris un peu pour un dieu des temps anciens, donc... Ouais, en plus avec les états là, l'artefact des états, c'est en gros c'est des extraterrestres dans l'Uchronie de Fallout, c'est des extraterrestres qui sont venus sur Terre. Nous avons une petite tempête, donc je vais mettre une petite sauvegarde. Ah bah non, c'est bon, il y a une sauvegarde automatique. Nickel. Par contre ça va pixeliser sur YouTube. Ah déjà pour moi ça pixelise à mort. Ouh, y a pas moyen de se cacher de cette tempête juste pour l'outro. Ouais. Alors je suis désolé, c'est le mieux que je puisse faire. Je suis désolé parce que ça a pixelisé, mais là que cette tempête de sable, on va devoir arrêter l'épisode d'ici. De toute façon, ouais, on s'approche d'une demi-heure. On a plus d'une demi-heure, ça se trouve. Pour moi, je pensais que ça fait que 25 minutes, comme quoi le temps passé en votre compagnie, ça passe super vite. Donc du coup, c'est tout pour cet épisode. On a fini Cabot House, les quêtes de Cabot House. Donc c'était plutôt cool, c'est des quêtes que j'ai bien aimées, qui étaient assez sympas, assez rythmées. Le début un peu long à se mettre en place, mais forcément c'est du Fallout, donc ça prend toujours un peu de temps à se mettre en place. Mais l'asile de la lignée de personnes, j'ai bien aimé, honnêtement c'était vachement sympa. Donc du coup les gars, oh, c'est la fin de la tempête. Et par contre c'est le début des vibrations des arbres. Ils sont tous morts. Prenez tout ce que vous pouvez, je monte la garde. Ta 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 ta. Mais non, ils sont tous morts. Ouh, ah non c'est de la merde en fait. Par contre ça me dérange qu'ils soient morts, en vrai. Même si même si Jack allait les licencier parce qu'au final on a tué Lorenzo, enfin ça fait chier parce que quelque part c'était des mecs qui ne voulaient qui voulaient pas tuer pour la thune, enfin tu vois, pour avoir le pouvoir. Eux ils avaient un métier honnête. J'ai entendu un petit bruit de tourelle. Vraiment sympa le générateur, hein, purée. Ah ah, il y a un bandit, il y a un pillard survivant. Je vais m'en occuper. Pas les griffes de Thanos. Thanos, c'est pas un dieu de la mort. C'est qui déjà Thanos? Je sais pas. Ah, alors toi, mon gars, t'es mort. Oh, le petit ralenti, il est mort. Oh ouais, si on apprécie, c'est toujours beau à voir. Ah oui. On avait été là. Ah oui, bah oui, on avait été, je crois. Bah il est où?
Il est où le cadavre? Ouais, parce que du coup maintenant je peux faire durer les... Ah, il est là le cadavre, j'avais pas vu quel boulet. Je peux faire durer l'épisode comme il n'y a plus la tempête de sable. Où est-ce qu'on peut aller? Je réfléchis, on peut aller. Ah, mais purée, c'est vrai que ça m'avait manqué, Fallout. C'est quoi ici? Carte, Breakout Banks. Ah, mais c'est la colonie de Super Mutant, hein, Breakout Banks. Ouais, c'est la colonie de Super Mutant, hein, Breakout Banks. On y avait été ensemble ou pas? Ah, je sais plus. Il y a tellement de trucs que je sais plus, honnêtement. Ah ah, j'ai cru détecter un ennemi. Oh, Hancock, bonjour Hancock. Comment ça va? Oh, avec 3 de sel, c'est vrai qu'on peut faire des... Merde. Avec 3 de sel, tu fais une au pur effet. Bon, ce qui est un peu débile, mais bon. Donc du coup, les amis, c'est tout pour cet épisode. On va se laisser sur cette petite vue du personnage. Donc, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve à l'épisode suivant.